Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 pour ma carrière Unleash la féminine sur 2K24. J'espère que vous allez bien. On a fini une quête secondaire qui était assez cool avec. C'était qui avec qui déjà? Bah, Rare Replay. Et on a cassé un petit peu une équipe. Et cette fois-ci, on a soit la mission principale avec Dodo, Dominique Mysterio, ou Justin, la quête secondaire. On va faire d'abord la quête secondaire, je suis désolé. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Pourquoi tu mets que je peux mettre un point alors que je peux pas? Je sais que vous aimez bien qu'on fasse la principale, mais on va faire Justine, et comme ça, dès qu'elle est finie, elle sera finie bien avant la fin de l'épisode, on ira sur la principale, en espérant que ça vous plaise. Je vous invite à mettre un petit like, voilà, soutenez la chaîne, mettez un like. Ça va bien pour toi, ce que je vois. On se sent dans le vestiaire d'une star, non? La légende nous honore de sa présence, merci. Je tiens à ce que ma déco reflète ma personnalité abrupte et impatiente. Qu'est-ce que tu veux, Justine? Je veux qu'on parle de Psycho Sally. Quoi donc? Elle recommence à manger la nourriture solide? Tu es vraiment bien dur. Et oui, elle mange la nourriture solide. Et elle est de retour sur le ring. Tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. Tout va bien, du moment qu'elle reste hors de mon chemin. Ça, je n'en doute pas. Je ne l'imaginais pas avoir envie de te recroiser. Tu as fait du mal à cette fille. Et pas que physiquement. C'est ma faute. Il fallait que je fasse mes preuves devant Rhea. Un monde brutal et Sally a dû l'apprendre de la manière forte. La manière forte, c'est de se faire tabasser comme jamais à la télévision nationale par la femme en qui elle avait le plus confiance au monde, c'est ça? À moins que tu ne recherches toi aussi une leçon de brutalité, arrête de tourner autour du pot. Elle est à NXT cette semaine dans son premier match télévisé depuis son retour. Je m'étais dit que tu apprécierais l'info. Si tu veux, je pourrais te dire comment elle s'en sort. Fais-moi savoir comment ça se passe pour elle, ou je m'en fiche. En gros, dire que je m'en fiche, ça veut dire refuser la mission. Donc on va l'accepter. Ça serait bien de pouvoir refuser, mais dans tous les cas, ça la valide. À part si je me trompe, peut-être bien. Sally était au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai aucun regret. Mais je ne lui souhaite pas du mal. Fais-moi savoir si elle va bien. Tiens donc, tu n'as pas complètement changé alors. Je n'ai jamais changé de style. Je suis juste comme ça depuis le début. Peut-être, peut-être. Je te dirai comment Sally s'en sort. Et la quête, c'est Psycho Complice. Et on gagne la carte de Carly Prime, 20 points d'amélioration. Et j'espère juste qu'on jouera pas à Sally. Parce que j'aime pas la jouer. Qui a dit qu'il ne voulait pas jouer avec Psycho Sally? Et je vous avoue, j'ai fait une grosse bêtise. Enfin, une bêtise. Certains diront tant mieux. D'autres diront, oh c'est dommage. C'est que j'ai pas laissé l'entrée de terre. Et je ne parle pas de la meuf qui est dans la team de Bousy. Pour ceux qui ont la rêve, bien sûr. J'avais passé les entrées. Je pensais que c'était une superstar de NXT qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et bah pas du tout. Et il me semble qu'on l'a pas vu. Mais c'est pas grave. Quand je dis ça, c'est que des fois il y a des gens qui aiment bien les entrées. Voilà, je mets une petite musique. Ça vous permet de prendre un petit truc à manger et d'être bien pendant l'entrée. Il y en a d'autres qui se disent, franchement, ce moment-là, moi je les saute. Ça m'intéresse pas du tout. Donc dans tous les cas, je préfère laisser. Si ça vous plaît pas, bah vous pouvez avancer. Si ça vous plaît, vous pouvez laisser. Alors que si j'enlevais, eh bien, si vous vouliez voir, bah vous pouvez pas. Donc au moins, ça laisse le choix. Mais est-ce que la légende de Sally, c'est-à-dire de toujours perdre avec elle au moins une fois, va se confirmer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. En plus, on peut voir qu'elle a pas toute sa vie. Genre, c'est en mode récupération. On verra bien. Après, on a gagné quand même, hein. On l'a rendu reine. On a gagné la Battle Royale, je crois que c'était. Qui était pas si simple. On avait réussi. Et là, j'avoue, c'est très très. Le début, pas ouf. Et vous me connaissez, on n'abandonne jamais. Voilà. Oh, bien joué ça. Oh, ça c'est bien. Et moi, je lui ai dit, hein. Il suffit qu'elle enlève ses bottes. Voilà, c'est. Ces bottines là, ces chaussures. Plus sûr que ça s'appelle peut-être pas comme ça et qu'il y a des gens dans les commentaires qui. D'autres épisodes ils ont déjà dit ah mais c'est pas comme ça. Mais comme je mets souvent à la suite et tout. C'est pas ouf. Allez. Là, c'est qui la professionnelle? Théa. Moi j'aime bien prénom Théa. Ou un Théa aussi j'aime bien. Comme dans le jeu Banisher. Que je vous recommande. J'ai fait une découverte d'une heure, il me semble. Si vous voulez savoir comment il est. Par contre, ça me rend fou des fois de. On est debout. On soulève une ennemie. On soulève une superstar.
et elle arrive à me taper avant. C'est fou. Oh, c'était facile à contrer ça en plus. C'était très très simple. En plus, elle a des grosses bottines, mais au lieu de courir et de sauter et de mettre un high kick, un big boot ou ce que tu veux avec, non, elle tape avec les mains. Oh bah. Mais alors, oula, c'est un peu loupé. Et on se ressaisit. Bien joué, Sally. Voilà, tu vois. Là, ça a fait mal. Ah mais faut aussi ce coup il est bugué. Non, non, focus, c'est bien. Comme ça, oui. Oh, je me relève tranquillement et je regagne du momentum. C'est gratuit. Et je prends. C'est ça que dans le jeu, ça n'a jamais été bon de faire trop de tomber, malheureusement. Non, pas maintenant le finisher. Le finisher, on le mettra dès que ce sera paralysé. Soyons malins un petit peu, jouons avec notre cerveau, pas avec autre chose. Psycho Sally qui tente de tomber. Let's go. Première victoire du premier coup peut-être. Pour Sally. Pour Sally. Ou simplement deux. J'ai cru. Oh, j'y avais cru. Avant dans le tir, je me suis dit, c'est bon. Ah mais, c'est une blague. Allez, relève-toi. Vite, vite, vite. Voilà, tu vois quand tu veux, tu mets. T'as vu comment t'as fait mal là? Avec tes grosses bottines. Je dis, c'était ce qu'il fallait faire. Il faut la jouer avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? Elle doit faire du 35, Sally, c'est sûr. Moi, j'ai pas des grands pieds. Je sais pas vous, vous faites du combien? Moi, je suis du 44. Voilà. Bah. Là, vous faites du combien, vous, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous voulez donner votre pointure. C'est vrai que des fois, des gens qui sont grands, ils font pas une si grande taille, ils sont petits, ils ont des palmes. Moi, ça va. Je permets 82, c'est correct. Et c'est la première victoire de Sally du premier coup, et ça, c'est beau. Salut Carly, comment tu vas? Et toi, comment ça va? Super victoire, hein. Mais franchement, t'étais pas comme d'habitude. Pas très, ben, psycho. Franchement, être psycho, ça me paraît un peu ambition de nos jours. Au début de l'entraînement, je regardais ce match entre Cap et la Suspilla. Une vraie guerre. Ils ont carrément grimpé sur le balcon. Et s'ils sont battus, Cap lui a lancé un coup de pied dans le bide, puis a regardé le public, et là, il a exécuté un Canadian Destroyer de 4 mètres de haut, jusqu'à traverser la table en bas. C'était complètement barjo. J'aurais rêvé d'être à sa place. Ça a l'air dingue et fun. C'est le genre de choses que tu devrais faire maintenant, Sally. Peut-être, mais je pense toujours au fait que la personne qui m'a tellement inspiré m'a mise hors service pendant plusieurs semaines. Je ne veux pas te laisser déstabiliser par ce qu'a fait Cap. Maintenant, me dit-elle. Ah, mais écoute, on a toutes les deux connu des moments difficiles ces derniers temps. Ça te dit qu'on renverse la vapeur et qu'on contre-attaque, toi et moi? Que t'as en tête? Psycho Sally, je viens carrément de tricher pour gagner un match. J'ai tenu les collants de mon adversaire 1, 2, 3. Et tu sais quoi? Vas-y, dis-moi. Je me suis senti libre de l'emprise de toutes les capes et rias du monde entier. Faut que tu ressentes ça toi aussi. Tu veux qu'on forme une équipe? En fait, j'ai déjà pris les devants. Et j'ai réservé un match contre JC Jane et Cora Jade. Tu m'as programmé dans un match en équipe sans même me demander? Tu sais comment j'appelle ça, moi? Une mauvaise décision qui a empiété sur ta sphère privée? J'appelle ça un truc de barjo. On va tout déchirer, Carly. C'est intéressant de voir Carly avec nous, là. Et c'est aussi intéressant de jouer Sally, hein. Mais je me dis, bah, j'espère qu'il y aura une évolution pour Sally. Un peu plus que ce qu'il nous propose là. Parce que si on la suit depuis le début, comme étant un peu notre apprenti, notre fan et tout, bah, on voudrait que ça évolue plus. Donc j'espère qu'avant la fin, il y a une rivalité entre les deux, entre Sally et Ed Piggott. Mais un vrai truc. Pas quelque chose de trop simple. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. De toute façon, on nous a demandé d'être barjo, t'inquiète pas, on va l'être. Jouer. Hein? C'est pas compliqué quand tu veux.
Qu'est-ce qui va se passer après? Hâte de voir ça. Oulala, les pep-pep là, Cora. Sinon, je vais boycotter ton magasin. Là. Calme-toi deux secondes. Non, 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 oui. Magnifique. Le contre, pas voulu du tout, je vais vous mentir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi, utilisez une chaise et faites-vous disqualifier. Ah ouais? Ok. Alors laisse-moi deux secondes. Et voilà. Après, si tu veux changer, Jesse. Ah non, non. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais sortir du ring. Mais voilà. Voilà, et tout le temps de bien dormir. Une chaise, s'il vous plaît. Après, on aurait pu aller sinon au niveau des commentateurs. Ouais, on m'a bien écrasé là. Non, s'il te plaît. Oh, et l'arbitre. Arbitre! Laisse ma chaise! Oh, je vais fumer l'arbitre. De toute façon, que ce soit l'une de vous, y'a pas de soucis. Ouh, qu'est-ce que. Alors là. Je vais te fumer. Je vais plus galérer à taper avec une chaise alors que c'est mon travail ça, de taper les gens avec une chaise. Par contre, je sais pas trop ce qu'elle attend à Cora. Ah oui, d'accord. Après, je me dis, est-ce qu'on est obligé de taper avec une chaise sur le ring? Je pense que oui, quand même. On va quand même le faire sur le ring. On va pas casser le jeu. Non, mais l'arbitre! Non, mais... L'arbitre, il est fou! Il est... Alors, c'est la première fois que je vois un arbitre m'enlever la chaise de la bouche. En plus, il reste que moi. Après, je pourrais taper. Ah oui, mais je veux faire la chose correctement. Là, on perd du temps. On essaie, je suis quelqu'un de fair play. Pousse-toi. Maintenant, c'est bon. On y était presque. Moi, je suis têtu. Si vous le saviez pas, maintenant, vous le savez. Je veux la faire à ma façon. Même si le jeu me dit non, je le fais autrement, à l'extérieur du ring ou ce que tu veux. Moi je ne veux pas. Où est la chaise? Puis ça n'a aucune endurance, Sally. Allez, viens à l'extérieur, ça y est. Voilà, vous m'avez énervé. Je voulais faire ça sur le ring, comme des grandes. Bah, vous m'avez dérangé. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Ah, on a cassé le jeu. Même le jeu, il est pas. Il comprend pas ce qui s'est passé. Waouh, ça, c'est un truc de Barjo, Carly. Je sais, c'est une sensation incroyable. T'as entendu le son qu'a fait la chaise quand elle se l'est prise? Vem! Tu crois vraiment que c'était nécessaire de frapper quelqu'un avec une chaise? Est-ce que c'était nécessaire que Caperia nous fasse ça? Du calme. Je suis de ton côté, tu sais. On a été fantastiques. On devrait avoir un match pour les titres en équipe. Oh, je veux dire, ce serait bien. Mais on n'a fait qu'un seul match. C'est pour ça qu'il faut qu'on attaque Isla et Alba. Attends. Quoi? Ouais, on attaque les champions de l'équipe. Et nous donnerons forcément un match pour le titre. Ça marche à tous les coups. Bien sûr. On pourrait aussi leur demander. Poliment, gentiment, provoqué ou pas. On devrait faire passer un message exactement comme Caperia. On peut montrer à tout le vestiaire de NXT, à toute la WWE, que plus jamais on se laissera marcher dessus. Eh bien, ouais, on va leur montrer qu'on est Barjo. Mais peut-être sans chaise. Je te promets rien. Another successful tag team title defense for Isla Dawn and Alba Fire. Hold on, that's Carly Prime and Psycho Sally! And they're attacking the champions from behind. What's this all about? Carly and Sally are the new team on the block. Maybe they want to establish themselves by going after the champs. It's worked before. Ah oui, le combat continue comme ça? Magnifique. Essaye de mettre KO une des championnes par équipe. Ok. On va essayer. En plus, là, elles ont bien pris cher. Désolé Isla, mais
le jeu qui me demande de faire ça. C'est tonique à moi, je le ferai pas, mais là on est psycho. Par contre, ça serait bien de pouvoir changer de tenue aussi, parce que sa tenue là, en mode pyjama, on va dire que c'est pas celle que je préfère. Voilà. Excuse-moi, Carly. Mais non. Je sais même plus comment on fait les prises à deux. Pas grave. Chacun s'occupe de sa superstar. On prend pas la grosse tête ici. Ouais, c'est sûr qu'après, pauvre Carly, une contre deux, ça va pas le faire. Mais tu vas te calmer, toi. Ou non. Oh, dommage. Mais non. Mais non. Ça fait que esquiver. Comment t'arrives? Oh oui. Mais non. Mais oui. Mais non. Mais oui. N'importe quoi. On va y aller doucement. Et j'ai souvent remarqué, quand tu veux faire quelque chose rapidement, ça fonctionne jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps qu'il faut. Tranquille. Allez, là je vais la balancer. Et bien non, c'est une feinte. Comment ça, ma contrée? Moi c'est bien, vous êtes deux combats en un. Et ça manque de punchy de jouer Sally. Je sais pas, il y a un truc qui... Plus elle a une endurance. On dirait qu'elle est à la retraite. C'est fou, hein. Je me demande vraiment la combien de général. Je suis très très curieux. Vite, 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 vite. Petite prise qui doit passer. Voilà. Magnifique. Par contre, je suis en train de voir que... Et comment dire... Notre ami Carly est en train de souffrir. Et pas un petit peu. Et nous aussi on souffre. Carly, debout. Allez, voilà. Merci, maintenant tu me laisses m'occuper de Isla, enfin de Alba plutôt. Mais. Voilà, oh non, oh non. On m'a contré mon finisher. Mais non, on peut pas perdre. Imagine, deux personnes qui attaquent comme ça. En même temps, comme j'ai dit, elles ont pas des très très bonnes notes. Mais moi, ouais, le. Certains diront, je suis sûr que c'est sûr et certain, que certains ont dû dire, pour la carrière féminine, que les passages avec Sally étaient inintéressants. Enfin, genre, on aurait pu en passer. Ah oui, bah d'accord, je l'ai mis KO. Ça arrivait d'un coup, ça qu'il fallait pas leur faire un tombé, mais juste les mettre KO. Ça suffit. Ouf, j'imagine que t'as entendu, non? Et comment? Qu'est-ce que je t'avais dit? On a battu Isla et Alba. Et hop, un match pour le titre. Ouais, comme tu l'avais prédit. Et ça m'a fait tellement de bien. Caparilla ont tout compris. La brutalité, c'est la clé du succès. Comme un raccourci. C'est en effet un raccourci, Carly. Comme dans une course, je me sens tellement puissante. Non, tu te trompes. Tu te sens comme une brute. Et ça, c'est pas de la puissance. C'est le genre de puissance de Cap et de Rhea, mais pas la nôtre. Hein. C'est que, à force de trop copier, on perd son identité. Ah bon? Après ce qu'ils nous ont fait, c'est pas ça que tu veux? Peut-être que j'en avais envie au début, un petit peu. Mais maintenant que je m'y suis essayé, j'ai compris que ça me convient pas. Ni à moi, ni à toi. Mais on a un match pour le titre, là. Et on va le faire. On va placer des prises de dingue qu'Alba et Isla n'ont jamais vues de leur vie. Et on va les battre sur le ring. On va se la donner à fond et rendre coup pour coup. Car on est des par jour. Carrément. Mais ce qu'on fera pas, c'est ce que font Caperia. Car ce sont pas des par jour. Ce sont deux brutes de cantine. Ça, c'est pas de la brutalité. C'est de la faiblesse. Et nous, on n'est pas faibles. Ça, c'est bien vrai. Alors on va gagner des titres en équipe et le prouver. Le combat pour le titre, c'est maintenant. Attention, il n'y a pas d'avantage. Rappelez-vous tout à l'heure, on avait attaqué comme ça en traître. Il y avait des objets. Là, c'est que du catch et rien que du catch. Ça peut être facile, mais ça devrait le faire. Comme je dis, les matchs par équipe, surtout que faut pas se prendre la tête. Faut pas vouloir faire mal aux deux. Faut viser une personne et puis c'est tout. Ouais, c'est mieux pour tout le monde, je pense. Hein, parce que vous imaginez, sinon ces matchs-là duraient 15 minutes à chaque fois. Un épisode de ma carrière, ça serait juste deux matchs. Je pense que ça vous embêterait un peu, deux matchs. Un peu faible.
On essaie de faire les choses proprement. Après, je dis ça, mais rappelez-vous qu'à chaque fois que j'ai voulu avoir une façon de jouer et finir vite, bah, c'était tout l'inverse. Bah, allez, rien qu'une prise, elle m'a mis son pied dans la gorge. Je peux plus respirer. Mais on sait que Carly, quand elle va être prime, elle peut tout faire. En plus, je crois hein, qu'on l'a jamais joué. Il me semble, hein, peut-être que je peux me tromper. Donc on va pouvoir tester un peu sa 10 de coup, si c'est intéressant ou pas. Voilà. Attention, ça peut faire mal. Bien sûr que ça fait mal. Bien joué. On n'arrête pas. La force de Carly, les attaquer sans jamais s'arrêter. À part que l'endurance dit stop. Et sinon, on se stoppe pas. C'est votre moment, les filles. Devenir championne par équipe. Ça serait marrant qu'on soit championne par équipe et qu'on provoque LP Gate et Rhea. Ça serait bien. Je trouve que c'est le bon scénario. Et on verra comment ça va se passer. Pas pressé. Pour l'instant, je me sens forte. Je dis, je me sens forte. Il n'y aura pas de changement, je dis. Mais au moins, Carly, elle tape vite, ça, ça me plaît. Elle fonce et tout, si c'était Sally. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, peut-être que le changement il a été fait, vous pensez? Ouais, le changement légal il a été fait. D'accord. Ah, c'est marrant ça. Parce que je sais pas vous, moi j'ai pas vu de. J'ai vu le changement s'effectuer. Ça, c'est gratuit, hein, juste pour augmenter le momentum, vu que je sais qu'elle peut pas contrer. Oh là là. Calmez-vous là. Non, mais oui. Ah, tu sais quoi? On va faire le spécial sur elle. On va s'occuper des deux. Je lui dis, à force de vouloir en attaquer qu'une, on va pas réussir. Autant attaquer les deux. Bien joué. Repose-toi un petit peu. Moque-toi. Voilà, récupère son endurance. Ah, ça fait mal, hein. Eh ouais, je sais ce que c'est. Ouh là là, home run. Non, ouais, pas possible ça par contre. Carly. Pour le moment, le match se passe très très bien. Je sais pas où était l'arbitre. Hein. Monsieur l'arbitre, tout va bien? Vous arbitrez quand même pour un match, pour un titre. Respectez-nous. Allez Carly. Carly. Réveille-toi. Voilà, tu vois. On y va, le finisher, il doit passer. Il doit passer, j'ai dit. On a fait tout ça pour ce moment. Non, ça rebreak. Attends, moi, tu vas la faire, celle-là. J'appuie sur toutes les touches, sauf triangle. J'appuie sur L1. Vous ne demandez pas pourquoi. Non. Pourquoi? C'est injuste, qu'est-ce qui se passe, là? Sally, aide-nous. Je veux pas te sacrifier un peu, Sally, pour l'équipe, pour les barjots. Je sais pas comment on dit barjot en anglais. Bejo. Ah, pour toi ça. Et là, il faut surtout pas abuser ce que j'ai fait. Je le savais en plus. Ah non, mais il aurait fallu faire le changement par équipe, direct. Et moi, vous me connaissez, je suis un petit rapace des pigs. Non. Non, voilà, Sally, bien joué. Te laisse pas faire, Sally. Voilà, bien joué, Sally. Ah, par contre, j'avoue, trois fois, c'était quand même difficile de résister. Alba me fait peur. Non. Ça va pas. Je me sens mal. Il y a un truc qui va pas. Je me sens mal dans ce combat. Comment le... Oh, elle a fait le tag, sa vie, là. Oh, on m'a tapé sur le dos, genre. Enfin, juste ce que j'avais cru. En plus, vous voyez ce qu'à fond, elle se change. Un franc changement. Parlons français, quand même. Elles le font rapidement. À toi, c'est bien. C'est ce que je vous dis à chaque fois.
Ah, par contre, Oust. Et cette fois-ci, fais lui juste ça. Voilà. Allez, c'est ton moment, Sally. C'est là, il faut montrer à tout le monde qu'il achève. Et ça commence par défoncer Alba. Je ne parle pas de Jessica. Parce que elle, on ne peut pas lui faire du mal. J'avoue, je voulais même pas faire le changement par équipe. Je voulais juste faire une prise. C'est pas grave. Voilà. Il ne fera pas de changement. Par contre, Sally, est-ce que ça dirait pas de... Ah, ça m'a aidé, hein, finalement. Non, non, pas le changement maintenant. Pourquoi ? Sally, debout ! On a encore des choses à faire. Ah voilà, c'est devenu un tornado tag le truc. Pourquoi pas après tout, pourquoi pas. Oh bien joué. On a contré son finisher, ça veut dire qu'on va potentiellement avoir deux finishers. Non. Je rêve. C'est trop beau pour être vrai. Et là j'avoue, je vais super vite. Non, on n'aura pas le temps d'en placer deux. Mais qui sait ? On peut le tenter. Soyons fous. Ah oui, mais Sally, t'aurais pu prévoir ça quand même. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps, je t'ai dit. Pourquoi ? Je t'ai dit de prendre ton temps. L'arbitre qui met trois quarts d'heure à faire tomber aussi. Tout est au ralenti. Rien ne va plus, faites vos jeux. Bon, moi c'est bien. Isla, elle est dans le mal. Faudrait qu'on fasse pareil pour Alba. Si on arrive à se relever. J'avoue. C'est pas la plus rapide. Pourtant, elle était fast au début. Puissante et rapide. Notre Carly. Et là, depuis qu'elle est... dans le dur. Alors là, il faut absolument faire le changement. Let's go, voilà, c'est ça qu'on veut. Tout va bien. Là, vous allez voir, je vais faire le spécial, ça passe nickel. Je vous le dis ou pas? Ouais, bon, parfois... Oh, j'ai eu beaucoup de chance. Oh, je vous l'avoue. Mais parfois la chance fait partie du jeu. Vite, vite, vite. On lui fait encore des dégâts pour profiter de la paralysie. Top nickel, ça. Ça, tu vois, c'est... Oh, j'ai même pas pu faire une touche. Elles ont le droit, mais pas moi. Mais c'est bien, vous avez vu maintenant. Retournement de situation. Ça fait qu'elles sont dans le dur. Et nous, bah, il y a Carly qui est un peu dans le mal, mais... Sally, ça va encore. Non mais, je voulais qu'elle saute via les cordes. Ah ouais. Non, Sally, allez. C'est gentil. Simplement de... Non, je sais pas, j'ai pas vu. Pareil, de toute façon. Ah mais son endurance à Sally... Et je vous jure, le cardio d'une retraitée. Une prise et ça y est. On dirait le finisher de... Enfin, pas comme ça, mais... Alors, on est énervé, là. Allez. Tout pour le finisher. Bah, je pense que là... Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Non, non, non. Alors toi, tu vas me laisser vite faire récupérer. Ah ben... Normalement, ils peuvent pas faire plus de 3. Merci. Reste au sol. Là, j'ai perdu un peu le fil, mais c'est pas grave. Oh, jolie tombée en plus. Est-ce que ça peut réussir? Et 1 Et 2 Oui. Nous sommes championnes. Magnifique. Here are your winners and the new WWE winner.
Women's Tag Team Champions, the team of Psycho Sally and Carly Prime. This isn't the result Alba Fire and Isla Dawn thought they were destined for. Put that match in a museum or a textbook so future teams can study to learn this craft. Salut partenaire. Alors, comment tu te sens? Comme si je venais d'apprendre à voler. Championne équipe. Imagine, championne en équipe. Dingo attitude. Oh, pas mal comme nom d'équipe. Je pensais plutôt à Psycho Prime. Psycho Prime? Ou plutôt Prime Psycho? Peut-être. On bossera là-dessus, t'inquiète. L'or te va si bien, Sally. Au début de notre duo, t'avais l'air prête à prendre ta retraite. Bah, son cardio l'est en tout cas. Maintenant, tu déchires tout. Peut-être bien. Cap m'a blessé, mais elle m'a aussi appris quelque chose. La brutalité. Non, la résistance. Je suis plus solide que je le pensais. On a les titres. On peut aller où on veut. Tu penses à Cap et Oya? Moi aussi, j'ai comme l'impression que leur partenariat va pas durer. Je compte plutôt m'amuser à les regarder s'entre-déchirer. Pour l'instant? Ok, pour l'instant. D'accord. Le scénario se finit comme ça. Je suis déçu. Je pensais à autre chose quand elles ont dit on s'arrête là. Ok, après peut-être que dans l'histoire, on va les retrouver en tant que championne. Voilà, ça va peut-être se continuer comme ça. Mais je vous avoue que je suis assez déçu de la finalité de tout ça. C'est très... Ouais, c'est très particulier. Mais bon, on prend. C'est pas trop grave. Ce qu'on va prendre aussi, c'est la frappe. Et on passe à 93 de général. Et là, je me dis, le mieux, c'est quoi? C'est de faire la quête principale, alors qu'on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo, ou t'aviches et on voit si c'est suffisant pour l'épisode. Et comme ça, le 12, hop, on part sur de bonnes bases. Je pense que t'aviches est le meilleur choix. De toute façon, c'est mon choix. J'ai vu mon lot de brutalité dans ma carrière. Mais toi, tu mets la barre très très haut. Impressionnant. Petit conseil de vétéran, touche-toi. Les gens vont commencer à te voir comme la cible à abattre pour faire leur preuve. Si tu veux faire passer le message, tabasse une novice au Performance Center. Batte de baseball, sans disqualification, lâche-toi. Crois-moi, ça leur fera passer l'envie de te chercher. 10 points d'amélioration, 5% en puissance de jambes. C'est parti. Et qu'est-ce qu'on affronte? C'est de la Matrix. Ok. Bah, y a pas de souci. Et on va la corriger, cette petite nouvelle, là. Ça va nous faire du bien. Oh là, attention quand même. Là, peut-être qu'on l'a vu hein, à un moment dans l'histoire. Ouais. Mais son nom dit quelque chose. Je me demande si c'était pas elle qui était avec Carly, etc. Oh, merci Ria. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on voit. Ah, mais c'est pas possible, je fais aucun dégât. Attention, on va voir si ça a bugué. Ouais, y a un problème là, non? Je mets des dégâts. Ah oui, avec les battes de baseball. Batte de baseball, elle est où? Elle est là. Il en avait 40. J'ai réussi à ne pas les voir. Ah, je suis un peu fatigué. J'ai enchaîné deux épisodes. Je suis. Moi aussi, je suis plus proche de la retraite que du début. C'est vrai que j'ai oublié qu'il avait parlé de batte de baseball. Voilà. Tu prends ça, vite fait. Non, laisse-moi juste sortir la batte, voilà. Maintenant qu'elle est sortie, on va pour... Ou prends-la toi si tu veux. Mais vas-y, prends-la, je t'ai dit. Tu vois? Quand t'écoutes pas. Allez, viens. Je t'attends. Oh là là, t'aurais jamais dû faire ça. Alors là, t'aurais jamais dû faire ça. Allez. Ça va aller vite. Non, non. Comment oses-tu frapper ma Bulma? Non, des contres comme ça, c'est tellement simple, ta vie. Tu vas avoir honte de moi. Et de la Matrix, elle fait mal, hein, la dominatrix. Ah mais oh. Oula. Ouf. Un coup qui a fait très très mal. C'est pas ce que je voulais, mais une petite reprise de volée, ça passe toujours. Et deux, et un petit troisième pour la forme. Merci. Je pense que j'ai la victoire. T'inquiète même pas.
Maintenant que je peux faire ce que je veux, c'est là que je vais réussir 1000 coups de batte de baseball. MLB The Show 2024. Surtout qui 24. On est là. Par contre, comment tu fais pour enchaîner deux fois le coup alors que moi, généralement, ça veut pas. Allez, c'est la fin. Je vous le dis tout de suite. C'est la fin pour elle. Parce que là, le spécial qui fonctionne, on va faire le tomber, enfin le... la prise basique troisième corde. Et je pense que ce sera très très bon. Normalement, elle ne peut pas contrer. À part s'il y a ici un moyen de contrer, mais normalement non. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Tout ira bien, madame l'arbitre, voilà, compétente, tape rapidement. Ça ne passe pas. Mais ça va le faire. J'ai une petite batte de baseball là, il y a écrit mon nom. Si tu penses que je vais te laisser tranquille. Ça c'est pour montrer à toutes les jeunes qui rêvent d'être à ma place. Tu pourras à ma place. Va falloir se la donner. Pas qu'un petit peu, oui. Ah, je me la suis tellement donnée que j'ai épuisé toute mon endurance d'un coup là. Qui est Ria qui est en train d'embrouiller l'arbitre. Oh la pauvre. Mais c'est ce qu'il me fallait. Après avoir fait un segment complet avec Sally, j'ai mérité ce moment. Par contre, ça m'a pas donné beaucoup de momentum. Hein. En fait, le jeu, et ça, il vous le dit depuis le début, si vous faites les mêmes coups tout le temps, donc taper qu'une batte de baseball, taper qu'avec ses poings, qu'avec ses pieds, faire la même prise tout le temps, ça vous récompensera pas. Il faudra toujours essayer d'évoluer un petit peu, de faire des prises différentes pour que le momentum augmente plus vite. C'est normal. Alors, viens là. Je vais te présenter un poteau. Eh oui. Plutôt sympa, n'est-ce pas? Vite, 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 vite. Non. Elle va me le contrer. Je savais que ce finisher n'allait pas passer. Ne me demandez pas pourquoi. Oh. C'est que elle s'est tellement pris de coups. Que c'était sûr que le finisher n'allait pas passer. C'était écrit dans la légende. Oh, et bah dis donc, elle a de la force pour me soulever comme ça. Non. On va tenter le spécial, même si celui d'ici, je l'aime beaucoup, mais... Oh si, oh si, oh si. Si c'est aussi, j'y vais d'aussi. Magnifique. Voilà. On peut tenter aussi le finisher avec celui-ci. Il est différent. Ça y est, elle se relèvera plus. C'est fini pour Donna. Madame l'arbitre, préparez-vous s'il vous plaît. À vos plus beaux tombés plutôt. Et un. Bon, par contre là tu prends tout ton temps. Et trois, voilà. Simple, efficace, c'est ça qu'on veut. Et voilà, le scénario est terminé. Tour complet. Franchement, ça c'est 10 points d'amélioration gagnés tellement facilement. Et là, Psycho qui dit « Tu t'en prends au novice, c'est ça ?» Vraiment bravo, Cap, hein, quel talent. Vous inquiétez pas, tout va se régler sur un ring entre vous deux. Ça, je peux le faire, parce qu'on a pas assez de points exacts. Et bah, vous savez quoi? Dodo, il attendra l'épisode numéro 12. Comme je vous l'ai dit, c'est mieux. Ça sert à rien de commencer une histoire principale pour s'arrêter après un combat. Autant que l'épisode soit complètement concentré dessus. J'espère que ça vous plaira. Est-ce que le jugement Day va s'interposer dans notre relation avec Rhea Ripley? Est-ce qu'il y aura une embrouille? Bah, c'est ce que vous verrez dans le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.